Allez, les concurrents vont se placer sous les ordres. Deux échelons de départ dans cette épreuve, elle volte. Et il s'élance dans cette compétition, c'est le prix camping-car 62 à Humières, compétition réservée à des concurrents de 4 ans. Le départ qui vient d'être validé, un départ qui a souri notamment au numéro 6 dans cette compétition, c'est Cador Spirit qui s'est montré le plus véloce. On a des concurrents qui ont perdu pratiquement toute chance au départ, c'est le cas de l'As, Quen du Dollar. On est également fautif avec le numéro 8 dans cette compétition, Kadjar de Loisel. Le premier tournant, bien sûr, dans cette compétition avec le numéro 6 qui s'est donc installé au commandement, Cador Spirit. On tente de se rapprocher avec Kno Mind qui vient désormais en troisième position. On vient ensuite avec Classic d'Eric qui tente de se rapprocher. On a disqualifié trois concurrents en début de parcours, le numéro 4 Cool Upstar ainsi que le numéro 8 Kadjar de Loisel. Le numéro 1 Quen du Dollar a également été disqualifié. Le premier tournant. Avec Knowin qui s'est installé au commandement dans cette compétition. C'est quelque peu rapproché Cador Spirit qui reste dans son sillage, dans un peloton qui reste assez étiré, à l'arrière duquel on retrouve notamment King Fortis qui ferme la marche de ce peloton. Passage devant les tribunes avec le numéro 6 Cador Spirit qui est ressorti notamment du sillage de Knowin qui s'installe désormais au commandement alors qu'un concurrent progresse vivement devant les tribunes pour tenter de prendre le commandement de cette compétition. Il s'y ravise, il est désormais dans son sillage, c'est King de Fouque qui se retrouve dans le sillage du numéro 6 Cador Spirit. Cador Spirit qui réaccélère pour tenter de prendre le commandement face à Knowin. Troisième place désormais pour King de Foot. La quatrième pour le numéro 3, c'est Classic Deripré qui se retrouve en léger retrait. Quelque peu sollicité, Caïd de Ponceuil est en cinquième position dans un peloton aux fautes du numéro 12, King de Fouque, qui disparaît alors qu'il tentait de se rapprocher. Le tournant, Cador Spirit qui a repris le commandement dans cette compétition devant Knowin, devant également le numéro 3, c'est Classic d'Eric. Quatrième place pour le numéro 7, c'est Clouk Clouk qui se retrouve alors que l'on fait un vif rapproché avec ce numéro 12. C'est King de Fouque qui désunit, voici quelques mètres, tente de revenir au contact des premiers alors qu'on accélère avec Cador Spirit. Cador Spirit qui compte 2-3 longueurs d'avance pour aborder la ligne d'en face. On est en deuxième position avec le numéro 2, Knowin. Troisième place pour King de Foot qui s'est bien rapproché. Quatrième place depuis le départ pour Classic d'Eric. Alors qu'on tente de venir également avec Kramer Melloc dans cette compétition. On a disqualifié entre temps le numéro 10, King Fortis, qui n'était pas menaçant. Bientôt la ligne d'en face avec toujours Cador Spirit qui est en tête devant le numéro 2. Le numéro 2, c'est Knowin qui tente de se rapprocher. On tente également de faire mouvement avec d'autres concurrents. C'est le cas notamment du numéro 7, Clouk Clouk, qui se rapproche. On progresse côté corde avec Classic d'Eripré. Bientôt le tournant final avec toujours les mêmes en tête dans cette compétition, à savoir ce numéro 6, Cador Spirit qui est en tête, Clouk Clouk qui se rapproche, qui vient à la hauteur de Knowin. Quatrième place en léger retrait pour un concurrent qui s'était montré assez discret jusqu'alors, c'est Kélina Demer qui progresse côté corde et qui tente de se rapprocher. On tente également de faire mouvement avec Coy de la Roque, des concurrents qui abordent désormais le tournant final. Avec Cador Spirit qui voit venir à son extérieur, Clouk Clouk qui passe à l'offensive, on cherche l'ouverture côté corde avec King Wind, avec également d'autres concurrents qui finissent vite à l'extérieur. On tente de finir vite avec Kif également, Clouk Clouk qui tente de prendre l'ascendant. Cette compétition se défend bien également avec le numéro 3 Classic des replays. Clouk Clouk qui va tenter de mener sa tâche à bien dans cette compétition qui termine de mieux en mieux alors qu'on finit vite également avec le numéro 3 Classic d'Eric. Classic d'Eric face à Clouk Clouk, Clouk Clouk face à Derrick. Classic Clouk Clouk qui s'impose face à Classic d'Eric. Troisième place pour le numéro 6, Cador Spirit. La quatrième pour le numéro 15, c'est Kagoya Katsuki.